La queda mao e la que e a apilolo sa kana me ya ta ta me da te me la queda mao no vida pelo la que da te
Thank you.
Dans un moment d'adoration. Chantez pour le roi. Le
pas pu le retenir. Même dans le tombeau, il est Seigneur. Dans le tombeau, Jésus est Seigneur, il est Seigneur. Oh, mon âme, bénis le Seigneur, le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, oui, son nom, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, il est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Au calvaire, mon sauveur est mort, il est mort, c'est là j'ai trouvé la vie. À Golgotha, mon Jésus est mort, il est mort, c'est là j'ai trouvé la vie. C'est là il a dit Eli, Eli. C'est là j'ai trouvé la vie. C'est là il a dit Eli, Eli. C'est là j'ai trouvé la vie. À Golgotha, mon sauveur est mort, il est mort, c'est là j'ai trouvé la vie. C'est là, il a dit, Eli, Eli. C'est là, j'ai trouvé la vie. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé, il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, nous t'adorons, ô roi des rois, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il n'y a point de Dieu comme toi, comme Jésus. Il n'y a aucun Dieu comme Jésus-Christ. Il n'y a aucun Dieu comparable à Jésus. C'est pourquoi nous allons lever nos voix pour l'adorer, pour le louer,
pour l'exalter, pour le magnifier, pour le glorifier. Aucun Dieu comparable à Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme toi, comme Jésus. Aucun Dieu comparable à lui. Comme il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme toi. Comme Jésus, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Comme Jésus, il n'y a point de Dieu comme toi. Hier est passé. Aujourd'hui est présent. Fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Jésus, fais quelque chose dans ma vie. Nouvelle chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Jésus, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le frère Timothée va nous donner quelques requêtes de prière matinale. Et après ça, nous allons prendre une petite exhortation comme déjeuner matinal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère Timothée, nous sommes à toi. Amen. Amen. Nous allons prier, nous allons alléluia. Remercier. On se lève. Nous allons remercier le roi des rois pour sa grâce qu'il nous a accordée ce matin. Alléluia. Pour nous avoir réveillés, pour nous avoir donné le souffle de vie, pour nous avoir compté parmi les vivants de ce matin. Prions de remercier. Seigneur, grand Dieu, grand roi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Papa, je veux te bénir, je veux te dire. Seigneur Jésus, je veux te bénir, je veux te bénir. Seigneur, je veux te dire merci ce matin. Seigneur, je veux te dire merci ce matin. Merci, papa. Merci pour la vie que tu m'as encore donnée. Merci pour la grâce que tu m'as encore donnée. Merci Seigneur pour ce matin que tu m'as accordé. Seigneur, reçois la gloire. Seigneur, reçois l'honneur. Seigneur, reçois l'élévation. Seigneur, reçois la louange. Seigneur, je te bénis. Seigneur, les mots me manquent, papa. Les mots me manquent, Seigneur. Les mots me manquent, papa. Seigneur, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tout, papa. Seigneur, merci. Merci Seigneur de m'avoir réveillé ce matin. Seigneur, merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Nous allons pour remercier le Seigneur en faveur des frères et sœurs de l'Assemblée, en faveur de tous les frères et sœurs de l'Assemblée. De la même manière où Dieu nous a réveillés, Dieu nous a accordé la grâce. Certainement, il nous a aussi accordé cette grâce. Oui. Nous allons remercier le Seigneur à cause de cela. Papa, merci pour la vie que tu as accordée aux frères et sœurs, Seigneur Jésus. Papa, merci. Seigneur, gloire à ton nom. Seigneur, nous te bénissons, nous te maintions.
Seigneur, nous t'exaltons, papa, reçois la joie, l'honneur, reçois la magnificence. Seigneur, reçois la gloire, papa. Nous te bénissons, Seigneur, nous te levons, nous te magnifions. Seigneur Jésus, merci pour tout. Seigneur Jésus, merci. Merci pour la vie que tu nous as accordée. Merci pour la paix que tu nous as accordée. Merci pour la grâce que tu nous as accordée. Seigneur, merci de nous avoir permis d'être famille vivante. Seigneur, reçois la gloire, la main. Seigneur Jésus, nous te bénissons, 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 nous te bénissons. Seigneur, reçois la gloire, Seigneur, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur Jésus, merci. Merci, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Oui, nous allons prier, nous allons demander au Seigneur. Parce que la parole de Dieu dit que c'est dans la nuit que l'ennemi vient planter ses douleurs. On va prier, on va demander au Seigneur. Oui, que tout ce que l'ennemi a planté dans cette nuit, tout ce qu'il a semé dans cette nuit, que maintenant, parce que le jour est arrivé, que maintenant, parce que nous sommes réveillés, que à l'instant même où nous prions, que ces choses soient déracinées au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a planté dans notre vie ou dans la vie de quiconque, dans cette journée, maintenant, que ça soit déracé au nom de Jésus. Prions ici au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier parce que la parole lui a déclaré que former des projets missions avertis. Oui. On va prier, on va déclarer à l'instant que tout projet que l'ennemi aurait formé, tout projet qu'il aurait formé, quel que soit sur des lieux de sorcellerie, quel que soit sur des rencontres, n'importe où ils sont réunis pour former des projets, oui. Que à l'instant que le feu, que le sang de l'île descend et neutralise ces projets au nom de Jésus. Prions aussi au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, Père éternel. Nous prions, Tu es vivant, ce que l'île a le dernier mot, Seigneur. Nous prions, Père éternel, que tout ce que l'ennemi aurait programmé, tout ce que l'ennemi Vous les détruisons.
destruction maintenant. Nous les détruisons. Les anéantissons. 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 Tous ceux qui ont programmé pour cette journée, nous anéantissons maintenant. Nous anéantissons. Les maladies qui sont déjà programmées, nous les anéantissons. Les prochaines maladies qui ont déjà préparé contre cette journée, nous les détruisons. Les accidents. J'annule.
Je refuse.
Amène-moi là où tu veux. Jésus, j'irai. Conduis-moi par ta volonté. Jésus, j'irai. Conduis-moi par ta volonté. Jésus, amène-moi là où tu veux. Jésus, amène-moi là où tu veux. Jésus, je veux faire ta volonté, Jésus, oh, Jésus, amène-moi là où tu veux, oh, Jésus, oh, Jésus, alléluia, 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 Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Prenez vos épées. Psaume 47. Psaume 47, tout le monde a vu. Je prends, nous répétons en cœur. Alléluia. Psaume 47. Amen. Amen. Nous proclamons ces paroles de psaume pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Vous toutes, peuple. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le très haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage. Il nous choisit notre héritage. La gloire de Jacob qu'il aime. La gloire de Jacob qu'il aime. La gloire de Jésus revient qu'il aime. La gloire de Jésus revient qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu. Chantez à Dieu. Chantez. Chantez. Chantez à notre roi. Chantez à notre roi. Chantez. Chantez. Chantez à Jésus-Christ. Chantez à Jésus-Christ. Car Dieu est un roi de toute la terre. Dieu est un roi de toute la terre. Jésus-Christ est roi de toute la terre. Jésus-Christ est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent. Les princes des peuples se réunissent. Au peuple du Dieu d'Abraham. Au peuple du Dieu d'Abraham. Car à Dieu sont les boucliers de la terre. Car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il
Père est souverainement élevé. Il est souverainement élevé. L'Éternel est grand. L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges. Il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu. Dans la ville de notre Dieu. Sur sa montagne sainte. Sur sa montagne sainte. Belle est la colline. Belle est la colline. Joie de toute la terre. Joie de toute la terre. La montagne de Sion. La montagne de Sion. Le côté septentrional. Le côté septentrional. C'est la ville du grand roi. C'est la ville du grand roi. Dieu dans ses palais. Dieu dans ses palais. Est connu pour une haute retraite. Est connu pour une haute retraite. Car voici. Car voici. Les rois s'étaient concertés. Les rois s'étaient concertés. Ils n'ont fait que passer ensemble. Ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé. Ils ont regardé. Tous te péfiaient. Tous te péfiaient. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Et ont pris la fuite. Et ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis. Là, un tremblement les a saisis. Comme la douleur d'une femme qui accouche. Comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés. Ils ont été chassés. Comme par le vent d'Orient. Qui brise les navires de Tarsis. Ce que nous avons entendu dire. Nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées. Nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées. Dans la ville de notre Dieu. Dans la ville de notre Dieu. Dieu la fera subsister à toujours. Dieu la fera subsister à toujours. Oh Dieu. Oh Dieu. Nous pensons à ta bonté. Nous pensons à ta bonté. Au milieu de ton temple. Au milieu de ton temple. Comme ton nom, oh Dieu. Comme ton nom, oh Dieu. Ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. Ta droite est pleine de justice. La montagne de Sion se réjouit. La montagne de Sion se réjouit. Les filles de Judas sont dans l'allégresse. Les filles de Judas sont dans l'allégresse. À cause de tes jugements. À cause de tes jugements. Parcourez Sion. Parcourez Sion. Parcourez-en l'enceinte. Parcourez-en l'enceinte. Comptez ses tours. Comptez ses tours. Observez son rempart. Observez son rempart. Examinez ses palais. Examinez ses palais. Pour le raconter à la génération future. Pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu. Voilà le Dieu qui est notre Dieu. Éternellement et à jamais. Éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Alléluia. 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 Qui a une parole d'exhortation? 5 minutes. Parole d'exhortation. 5 minutes, les hommes. Parole d'exhortation. Parole d'exhortation. Ézéchiel, Rocher, Timothée. Ébénézer, tu as une parole d'exhortation. Parole d'exhortation. Volume, volume, volume. Volume, volume. J'ai pas compris. Parce que on est en train de s'acquitter, de maquiller, on est en train de se préparer pour aller au combat spirituellement. Quel genre de maquillage? Maquillage sur les yeux. Parce que Jézabel a mis les fards sur les
Donc aussi, une femme se maquille, c'est qu'il s'attribue des combats, s'attire des combats, c'est ça. Des combats spirituels, des attaques spirituelles. Alléluia. Parole d'exhortation, parole de réconfort. Amen. Approche, venez vous asseoir ici. On n'entend rien. Jean 14, verset 1. Jean 14. La Bible dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Alléluia. Amen. Je te dis par là que c'est notre Dieu qui est en train de parler. C'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Celui qui a les temps et les circonstances. Celui qui est le Dieu de toute chair, le Dieu de toute âme, le Dieu de tout esprit. Amen. Il est en train de parler. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Amen. La parole de Dieu déclare que ce que Dieu a dit dans sa bouche, ça ne revient pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Et quand nous, notre Seigneur parle, il veille sur sa parole pour l'amener en accomplissement. Alléluia. Et si nous nous rappelons très bien ce que le Seigneur nous a dit, il a dit à propos du réveil, même si l'œuf tombe, ça ne va pas se casser. Donc, le Seigneur est dedans et que chacun de nous, nous reprenons force et que nous sachons que c'est notre Dieu, l'Éternel des armées, qui marche au-devant de nous. Et même si nous traversons des eaux, il est là auprès de nous. Même si nous traversons des feux, il est là auprès de nous et il ne va pas nous laisser. Alléluia. Amen. Pour finir, j'aimerais lire de Josué. Josué 1, le verset 6. Il dit: fortifie-toi et prends courage. Amen. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous dit de nous fortifier et de prendre courage, car c'est nous qu'il a choisi pour ramener son peuple qui est dans les ténèbres, son peuple, ses enfants qui sont dans les ténèbres, qui sont dans l'ignorance. Et qui ne savent pas les temps et les circonstances, c'est nous qui l'a choisi, c'est ce réveil qu'il a suscité afin de rassembler tous ces élus, afin de rassembler tous ces enfants. Ce qu'ils veulent de nous seulement, c'est que nous fortifions et que nous prenons courage. Il est là auprès de nous, il est dedans et il est dans la barque ne va jamais s'effondrer. Mais la barque restera toujours sur l'eau, ça restera toujours droit, jusqu'à ce que lui-même, il décide ce qui se passera. Gloire à Jésus. Amen. Donc le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Jésus. Amen. Moi aussi, bon, je veux juste vous exhorter et pour cette journée à rester droit dans la parole. Ne tourner ni à gauche ni à droite, mais rester droit devant le Seigneur et veiller sur votre pensée, veiller sur votre âme, veiller sur tout ce que vous voulez faire. Chaque chose que vous voulez faire, chaque acte que vous voulez poser pendant cette journée, posez-vous une seule question. Qu'en pense Jésus? Alléluia. Ce que je veux faire là, qu'est-ce que Jésus-Christ en pense? Ce qui veut sortir de ma bouche là, qu'est-ce que Jésus-Christ en pense? Est-ce que ça fait la joie de son cœur? Même quand tu veux parler pour blesser, tu veux parler pour dire quelque chose, n'importe quelle chose, il faut que tu réfléchisses. Il faut que tu te demandes, est-ce que Jésus-Christ serait content? Amen. Donc, sur ces paroles, nous allons clôturer
cette prière matinale. Amen. Prions. Seigneur, grand Dieu, grand roi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu très très saint, ce matin, nous voulons te bénir, nous voulons te magnifier, Seigneur, de nous avoir réveillés, Seigneur, pour chanter tes louanges, pour t'adorer. Seigneur, si nous ne le ferons pas, qui va le faire? Si nous ne le faisons pas, qui va le faire? Nous ne pouvons pas laisser les pierres t'adorer, parce que ce n'est pas pour les pierres que tu as versé ton sang, mais c'est pour nous, tes enfants, tes disciples, que tu as versé ton sang. Alors, c'est à nous qu'il est revenu de t'adorer, de te louer, de te magnifier, de t'exalter, de t'élever parmi les nations. Alors, merci de nous avoir accordé la grâce ce matin de le faire. Seigneur, nous te confions cette journée. Seigneur, que les portes de cette journée ouvre les linteaux et que le roi de gloire fasse son entrée. Alors Seigneur, nous proclamons que cette journée soit une journée de paix, soit une journée de grâce, soit une journée de bénédiction. Seigneur, tes enfants de par le monde entier, Seigneur Jésus, nous te les confions. Seigneur, nous te prions que ta main soit sur ton église. Seigneur Jésus, protège ton église partout sur la terre, que ça soit au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Cameroun, au Mali, au Gabon, en France, aux États-Unis, Canada, Suisse, oh, partout sur la terre, en Allemagne, partout sur la terre. Seigneur Jésus, nous te prions que ta main soit sur eux. Seigneur, ne permets jamais que ce feu de réveil s'éteigne. L'ennemi fait tout pour l'éteindre, mais il a échoué. Il a échoué. Il a échoué. Alors nous proclamons que cette journée soit une journée de paix pour tous tes enfants sur la terre, une journée de grâce, une journée de bénédiction, une journée de bonheur. Nous proclamons maintenant que tous ceux qui souffrent d'une maladie quelconque, parmi tes enfants, Seigneur, nous proclamons la guérison sur leur vie. Nous proclamons la guérison sur tous ceux qui souffrent de problèmes de cancer, problèmes de diabète, problèmes de sida, nous proclamons la guérison sur leur vie. Grand Dieu, grand roi, Seigneur, éloigne de tes enfants tout projet d'accident. Éloigne de tes enfants tout projet maléfique. Éloigne de tes enfants tout projet de mort subite. Éloigne de tes enfants tout projet d'empoisonnement de l'ennemi. Éloigne de tes enfants tout projet quelconque. Seigneur, tout envoûtement programmé contre tes enfants soit nul et sans effet. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, papa, remplis-nous de paix, remplis-nous de joie, remplis-nous de bonheur. Seigneur Jésus, tout ce que nos mains toucheront soit béni. Seigneur, tout ce que nos mains toucheront, tout ce que les mains de tes enfants toucheront pendant cette journée soit couronné de succès au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ta paix, ta joie, ta bénédiction accompagne tes enfants tout au long de cette journée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia.